Coucou Malcolm. Coucou les amis, coucou tout le monde, tous ceux qui nous regardent. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Là, ben aujourd'hui c'est la Dégusta Box. Eh oui. Alors, ben on va y aller, hein. On va commencer à ouvrir. Donc on va pas regarder ce qu'il y a dedans comme papier, sinon on va douter ce qu'il y a dedans. Et j'aime bien l'effet surprise. Allez, vas-y, tu vas prendre quelque chose. Je ne regarde pas. On pioche. Et on va déguster. Enfin, les trucs qu'on pourra. Hein. Alors, donc, la boulangère. Pain du monde, ses doigts. C'est du pain. On va goûter. Tu veux goûter ou pas? Non. Non, on ne va pas goûter. Ouais, pain. Extra moelleux. Petit déjeuner pour les déjeuners. Nutri-Score A, donc ça c'est bien. Voilà, du pain, ses doigts. Je ne connais pas du tout. Bon, alors l'autre fois j'avais la Dégusta Box. La vidéo était pourrie donc j'ai pas pu la mettre. Voilà, et bon, c'était mitigé en fait. Voilà, mais bon, j'étais contente quand même hein, parce que je continue encore de recevoir. Hein. Donc là, du pain, ses doigts, je ne connais pas du tout, ben ce sera une découverte pour moi et que je vous dirai la prochaine fois si c'était bien ou pas. Il y a Mandy qui est là, bien sûr, qui participe aussi à la Dégusta Box. Allez, vas-y, pioche. Moi. Allez, vas-y, prends. Alors, nous avons... Alors, tomato ketchup. Ah, bah c'est sympa, ça. 82% de concentré de tomate. Voilà, Fron... Ça vient du Portugal, c'est Spain, ça? Spain, Portugal, Espagne, oh là là. Et Portugal. Oh là, on va se faire engueuler! Oh, on a acheté des produits portugais. Oui, portugais, mais non, mais et de toute façon, voilà, tous les pays s'achètent entre pas, eux. C'est pas un produit qui vient de ça, c'est la tomate qui vient de. Bah oui, la tomate vient du Portugal, c'est bien ça. Et de l'Espagne. Donc, et de l'Espagne, mais on s'en fout, voilà, quoi. Ce qu'on regarde, c'est le porte-monnaie. Voilà quoi, après c'est comme ça. Hein. Voilà, de toute façon, n'importe. Toute façon, les Français achètent et puis ils vendent. Voilà, c'est et... chaque pays. Non, non, mais bon, je dis ça, youtubeur, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas normal. Ah. Voilà, bah tu sais, bon, d'accord, je comprends, hein, il faut pas que ça soit que du Portugal. Mais bon, c'est super, on goûtera du ketchup, 82%. Et voilà, sinon tu aurais été avec des produits des tomates françaises, le prix aurait été beaucoup plus cher, je pense. Allez, je prends un produit. Bon. Allez, prends celui-là, c'est plus doux, là. Allez, hop. Bref, on va pas se... Alors là, ce sont des chips, c'est un paquet XL, 250 grammes. C'est la chip l'original, la marque Bretz. Donc ça, bah, ça va être... bah, ça c'est sympa. On va goûter. Allez, vas-y, pioche. Donc, les chips. Moi, bon, je prends une sur ma gorge. Ouais. Merci. Non, elles sont très très bonnes. C'est une pincée de sel de Guérande. Nutri-Score B. Donc, c'est pas mal. C'est bon. Ouais, c'est bon. Elles sont vraiment très bonnes, ces chips. Donc, là, moi, je suis vraiment contente. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est bien. Qui pioche? Étienne, vas-y, pioche. Non, ça va. Les chips. Ouais, on en mange tout le temps. Hein. Alors, ah! C'est sympa, ça. Alors, ça, c'est sympa. Petit filet de maquereau à l'huile d'olive, citron et gingembre. Ça, c'est plutôt sympa. Pour Pierre, il aime bien. Bon, moi aussi, hein. Bon, par contre, la gingembre, ça, j'aime pas trop. Mais bon, Pierre, il se fera un plaisir de les manger. Donc, c'est des petits macros. Sans peau et sans arête. La marque Petit Navire. Donc, ça, c'est bien. Voilà, voilà. Allez, tu pioches, Alice. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors. Ah, alors, Pagès. La marque Pagès, c'est du thé froid. D'accord. À mettre dans l'eau froide. Saveur pêche. Bon, ça, On a toujours du thé froid, j'ai l'impression. Je suis pas trop thé, moi. Hein. Mais je pense que je l'offrirai... Non, on va pas l'ouvrir. Ma soeur Dominique aime bien, justement, ce style de boisson. Les infusions froides, elle aime bien, je crois, tata Dominique. Donc, je lui offrirai la boîte. C'est pas moi qui vais le boire. Hein.
pense pas ce que je vais mettre. Prêt en 7 minutes dans l'eau froide. Donc ça, il y a 20 sachets. D'accord. Bon, je l'offrirai à ma soeur. Voilà, je pense qu'elle sera contente de l'avoir. Donc ça, c'est pas mon truc. Allez, je vais piocher. Allez, je prends un peu de crème. Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ah non, j'ai eu peur. Saveur citron, citron vert, 100% naturel. Bah tiens, va chercher des petits verres, comme ça on va goûter. Donc, la marque Vittel, voilà, citron Vittel. Et citron vert. Ouais, c'est la marque Vittel, ça c'est sympa. Et tiens, il adore la marque Vittel. Ça c'est sympa. Bon, c'est pas très frais, faible en sucre et Nutri-Score. C'est ma préférée, ça Étienne. Ouais, on va goûter. Non, ouais. J'aime bien Vittel, moi. Ouais. Attention. On va goûter chacune. Goûte en premier. Vas-y, goûte. On mettra au frais après. Ah bah, c'est sympa, ouais, ça. Goûter. On connaît pas, donc... Alors. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est bon. C'est pas trop acide, c'est parfait. Ouais, hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, c'est pas frais, ouais. Quoi. Frais, ce serait super. Mais c'est bon. Moi, j'aime bien. C'est sympa. Donc ça, c'est plutôt sympa. À qui de piocher ? À Étienne. Vas-y, Étienne. C'est sympa. Pour l'instant, ça s'en compte. À part le thé, bon. Alors, ah, bah ça, c'est bien, ça. Trop bien. Pour moi qui a des problèmes de constipation. Sensation, graines de chia et touche de sel. Ce sont des biscottes Waza, la marque Waza, graines de chia, sel de mer, farine complète. Ça, c'est plutôt cool, ça. Bah, je sais pas si on va goûter. Bon, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Et ça. En plus, ça va le paquet, c'est pour Jean-Voix India. Oui. Elle adore les graines de chia aussi. Sinon, on regardera la vidéo. Ils vont ouvrir. Et puis après, je mettrai dans un plastique, un petit sachet. On va juste goûter un petit morceau parce que, comme on vient de manger, on n'a pas spécialement faim. Voilà. Ah bah j'ai carrément mis le morceau. Merci. Tiens, goûte. Oh, tout ça. C'est bon. Ça va. Moi j'aime bien. Ouais, ouais, moi aussi. C'est bon. En plus c'est bon pour la santé et tout. Bah c'est bon pour la santé. Pour la digestion. Tartine. Fine, croustillante, farine complète de seigle. Moi j'aime bien. Toi, mettant des crues du thé dessus, sympa. J'aime bien. C'est vraiment, ouais, c'est sympa. Manger nature, en vrai. Hein. Nature aussi, hein. Au lieu de manger des conneries. Allez, vas-y, pioche. Moi, je désire plus. Alors, je pioche. Allez, hop, on attrape un truc. Un petit pot. Moi, j'aime bien la dégustabox parce qu'en fait, ça permet de nous faire découvrir des nouveaux produits qu'on ne pense pas acheter, en fait. Alors là, c'est sympa. Donc, c'est tartinable saumon Annette. Les bons mets bio. Bon, on va pas l'ouvrir. Ça, c'est parfait avec ça. Là. Avec soit ça, soit les biscottes. Voilà, pour faire des tartines. Des tartines de saumon Annette. Ça, ça peut être sympa, ça. Ça, c'est sympa. Bon, on va pas goûter parce que... Mousse de saumon et Annette. Bah, c'est cool. Voilà, voilà. Allez, vas-y, allez. À moi. Oui. Il n'y a plus rien. Encore un peu. Oh là 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 là. C'est ce qu'il ne faut pas pour moi. Ben. Alors, ça, c'est trop bon. La marque Milka. Est tendre aux noisettes. Ça, ça doit être délicieux. Alors, on va goûter. Hein. Hein. Mon truc préféré. Bon, vous savez que je suis toujours en consolidation au niveau de mon régime. Hein. J'ai perdu 18 kilos. Donc, je fais attention. Voilà, je remange à peu près normalement. Pareil, grave gauche. Ouais. Allez, on y va, on va goûter. Ça fait un petit carré. Vas-y. Moi, j'en prends un. Un petit carré aussi. Oh, c'est bon. C'est du chocolat, quoi. Ouais, non, c'est une noisette. Ah oui, mais c'est bon. Esqui. Ah, très bon. Ça, faut pas me laisser sous le nez parce que ça, c'est mangé en 5 minutes. Ça, c'est trop, trop bon. Ah, c'est trop, trop bon. J'adore.
Allez, dernier article. Vas-y, Étienne. Il y a un dernier ? Ouais. Il y en a encore un. Des pâtes. Des pâtes, ça c'est sympa. Ça, ça c'est bien. Des pâtes juste crues. Ah, c'est trop bon ce chocolat. Torsade, délice au blé complet. Ça c'est sympa aussi. On peut goûter ? Bah non, hein, là. Mais ça j'aime bien. Bah des fois j'en mange. Voilà, donc on n'est pas du tout. Donc torsade au blé complet. 250 grammes. Classé A. Cuisson 7 minutes. Et il y a 250 grammes. Donc, ça c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Donc là, alors on a donc eu. On va regarder les petits papiers. Alors, là, il y a un bon réduction de 1 euro. C'est sur les biscottes, en fait. Sur les... Alors, attends, on va... Les biscottes, c'est ça. On a 1 euro. Donc, peut-être que je rachèterai parce que ça, c'est vraiment pas mal. 1 euro. On va le mettre dedans. Alors, ça, je vais donner le prix des biscottes. Les biscottes, les oisas sont à 2,99. Donc ça va, c'est plutôt correct. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, on a donc un autre dépliant. Bon, ça, c'est pour les promotions. Voilà, des box. Non, moi, je m'arrête à celle-ci, elle est très bien. Après, il y a la marque Pagès, donc c'est pour le thé. Donc ça, à 30 centimes. Alors, je ne sais pas si ma soeur en achète, ça. Mais je vais le garder au cas où, voilà. Donc ça, je vais lui garder. Donc ça, là, le thé comme ça, le thé Pagès, c'est 3,95€. Donc il y a plusieurs arômes. Il y a donc infusion saveur orange sanguine, fraise, melon, basilic, saveur framboise, menthe, concombre. Et donc la pêche. C'est plutôt sympa. Et c'est 3,95€. Ça va, c'est correct le prix. Après, bon, ça, c'est 29% de remise sur la Degusta Box, Box Cold. Mais voilà, comme moi, je ne sais pas trop quand est-ce que je viens. Enfin, comment est-ce que je viens. Des fois, je ne peux pas être à la maison. Alors, s'il livre et puis que je ne suis pas là, et puis si c'est du froid, bon, c'est pas le top, en fait. Alors, on continue. Alors, après, il y a eu les chips. Le gros paquet de chips, c'est 2,99€. Voilà, donc ça, c'est cool. Après, il y a la sauce tomate avec les légumes, les tomates, ben, Portugal, mais bon, on s'en fout, Portugal ou français, hein. Voilà, là, 2,49€, donc c'est plutôt correct le prix, hein, pour, en plus, 82% contre les tomates. Hein, c'est plutôt bien, parce que ça serait des produits français, ça serait beaucoup plus cher, hein. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est la vérité, quoi. Donc, voilà. Ensuite, la boulangère. Les pinces de doigts, 1,99€. Après, la tartinade au saumon Annette. Donc ça, c'est... Alors, les bons mets bio, c'est 3 euros le pot. Ça va, c'est... Ça va. Après, la vitelle. Vitelle citron, citron vert. Alors, il y a aussi pêche, ça existe, avec une touche de gingembre. Donc là, non, c'est citron, citron vert. Donc c'est 1,19€. Bon, ça va, super. Le prix n'est pas excessif. Ensuite, les petits navires, petits filets de maquereau, c'est 1,90€. Ok. C'est un petit peu cher, mais bon. C'est un peu cher quand même. Une petite boîte. Le chocolat Milka aux noisettes, c'est 1,59€. Voilà. Bon. C'est cher aussi, mais bon. Voilà, c'est bon aussi. Hein. Et les lustres, les pâtes, alors c'est les torsades délices au blé complet, c'est 89 centimes la boîte. Voilà, ça reste correct, pardon. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits. Voilà, donc la box coûte 15,90€, livraison compris. Voilà, en fait le thème c'était pique-nique. Voilà, bah moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup même le thé, hein, c'est sympa. Je goûterai hein, quand bah, je vais le donner à ma soeur et puis. Mais je suis pas spécialement thé. Mais bah voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dégustabox? Bah en vrai ça va. Elle est sympa. Moi j'ai bien aimé les graines de chia surtout. Ouais, c'est vrai, c'est pas mauvais, j'aime bien aussi. J'aime bien. Bon, à part le thé, je sais pas si j'aimerais, donc je vais l'offrir à ma soeur, hein, je lui donnerai. Voilà. Mais j'aurais aimé plus de gâteaux.
Mais t'es sûre? Oui, c'est vrai, pas beaucoup. Elle... Mais après, oui. Mais bon, bonnes. Sinon, c'est sympa, plein de trucs à découvrir. C'est intéressant. C'est sympa. Elle est sympa, cette petite dégustabox. Voilà. Donc, c'était la dégustabox du mois de mai. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous donnera envie de commander votre première dégustabox. N'hésitez pas. Vous avez en barre d'infos mon code de réduction. Ça vous permettra d'économiser 6 euros sur votre première commande. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous désabonner, mettre en pause à tout moment. Il n'y a aucun souci. Voilà, vous partez en vacances, vous ne voulez pas la recevoir. Hop, vous bloquez et vous ne la recevrez pas. Vous ne serez pas prélevé. Voilà, vous pouvez arrêter complètement. Il n'y a aucun problème. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Salut ma com. Au revoir. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Salut. Au revoir.